Je reçois pour vous India Omari, cadre du PPRD, partie chère à Joseph Kabila Kabang. Nous allons revenir sur l'actualité qui reste dominée par ces bombardements au niveau des Mugunga, près de Goma. Alors, ce n'est pas vraiment Goma, mais près de Goma. Une dizaine de morts signalent les gouvernements. Les gouvernements, ou soit selon plusieurs sources, ce serait une attaque du M23. Nous allons en parler avec India Omari. Pourquoi ne pas aborder ces sujets qui fait tollé et qui fait tabac, une prétendue révision de la Constitution ou soit de modification, je ne sais pas, mais on en parle. Le président avait dit concernant les cumuls des fonctions, la Constitution ne réglerait pas cette question. Et les gens sont en train de supputer, est-ce une volonté de ces régimes de modifier la Constitution ou de changer la Constitution? Nous allons vous rappeler que sous l'époque de Joseph Kabila, je pense en 2011 ou 2010, on avait également amorcé une modification de certains articles de la Constitution. Nous allons parler de ça parce que la classe politique est agitée à l'instant. Il y a les CID qui venaient de réagir. Il y a également d'autres analystes politiques qui réagissent face à ça. Pourquoi ne pas revenir également sur ces dossiers des forages et des lampadaires, parce que ça continue de susciter beaucoup de bruit. Pas plus tard qu'hier, on a vu des matériels, des lampadaires acheminés à Kinshasa venant d'un de nos ports ici en République démocratique du Congo. On se pose des questions. Est-ce, selon certains juristes, est-ce un repentir tardif ou non? Avec India Omari, vous allez avoir toutes les réponses à vos questions parce qu'il n'a pas sa langue en poche. India Omari, bienvenue. Merci. Vous allez bien? Dieu fait grâce. Alors, India Omari, votre nom est dans tous les médias. Qu'est-ce qui se passe? C'est seulement parce que vous êtes à côté du PPRD, à côté de Joseph Kabila, ou bien il y a autre chose, ou soit les gens vous prêteraient plusieurs intentions. Mais quelle intention? Je ne sais pas. Il y a votre nom qui circule partout là. Non, mais il circule pour être membre du gouvernement. Là, c'est non, et je suis je m'assume. C'est pas, moi je ne cours pas au poste. Ah, d'accord. C'est le poste qui vient vers moi. Ah, d'accord. Ça, c'est mon principe. Exactement. Je mets mon intelligence au service du peuple, de ma nation, et j'aide par le patriotisme à réfléchir, à quitter le bourbier vers des solutions à travers ma petite intelligence. Les noms qui circulent aujourd'hui, c'est les noms de notre cardinal Ambongo. Ah oui, avec je ne sais pas si de réquisition du procureur. Je ne sais pas si on. Oui. Je ne sais pas si vous allez aborder. Oui, on va en parler. Déjà, alors. India, on commence par là, comme biscuit de l'émission. Comment expliquer que c'est vrai, sous votre régime à l'époque, les PPRD, on a vu également des arrestations des pères spirituels, notamment Coutinho Fernando. Aujourd'hui, on parlerait du cardinal Ambongo. Il y a une instruction, soit injonction du procureur Firmin Vondé au procureur après la cour d'appel des Matete, pour entendre, pour ouvrir un dossier judiciaire à l'encontre du cardinal Ambongo. Votre réaction, c'est vrai que jusqu'à présent, il n'y a pas une déclaration officielle du PPRD, mais étant qu'analyste politique, alors, étant également un politologue averti, qu'est-ce que nous pourrions comprendre quand un régime commence à s'attaquer aux pères spirituels, ou bien quand l'Église catholique commence à dénoncer un régime? Ça insinue quoi? Ça annonce quoi? On ne touche pas mon cardinal. Oh, n'es-tu pas mon cardinal? Oui, j'ai vu la campagne. Ouais. Le PPRD est là, le PPRD a parlé, a donné. Nous parlons au nom du PPRD. Ah, d'accord. C'est ça, nous communiquons au nom du PPRD. Notre travail, c'est de faire passer les vrais messages du parti. C'est ça le travail. Ouais. C'est nous qui avons mis aujourd'hui dans le spectre politique les communicateurs. Ouais. On se rappelle de ce moment. Donc, les PPRD a un message ferme, ne touche pas au cardinal. Je dis ceci, ne touche pas à mon cardinal.
C'est, je parle. Mais on dit que les cardinals, même s'il est cardinal, il ne peut pas s'arroger les droits de dire n'importe quoi. Ben c'est quoi? C'est la réquisition d'informations où c'est, on a ouvert jusqu'à présent, une information judiciaire. D'ailleurs, on n'a vu qu'un document. Non, mais d'ailleurs, c'est injonction, c'est l'unicité du parquet. Oui, exactement. Ouais. Je crois, nous disons, nous sociologues, nous disons, donnez-moi les faits, je vous donne le droit. Et alors, quand vous faites une interprétation politique de ce qui se passe, ça annonce quoi quand les régimes rentrent en conflit avec l'Église? C'est un buzz qui va s'éteindre dans le. Tu ne vois pas, non, je vois que non. Écoutez, il faut que nos amis qui ont fait les droits privés et judiciaires. Se posent souvent des questions sur ce qu'ils ont fait à l'université. Ils ont aussi besoin, horizontalement ou d'une manière transversale, de s'informer aussi. Parce que la question du cardinal Ambongo, c'est une question du droit international, public. Ouais. Public même. Droit international public. Public. Ah, d'accord. Alors, les gens sont dans une matière où ils ne comprennent pas. Parce que tu as voulu les biscuits. Ouais, comme à votre niveau, vous dites. Non, la convention de 1906 qu'a signé le Saint-Siège, donc l'Église catholique, et la RDC, on a conclu, c'est une conclusion. À notre niveau, nous appelons là une conclusion. C'est-à-dire quoi? Une conclusion, c'est... Il ne peut pas y avoir des interpellations contre... Non. Il faut lire cette convention. D'ailleurs, cette convention a même été ratifiée en 2019 par le président Chilombo. Les gens sont en train de venir discuter, ils ne savent pas le contenu des... Les grandes lignes, c'est quoi? Les grandes lignes. Mais c'est une convention, c'est un accord cadre. Un accord qui lie l'Église catholique comme État souverain à un autre État souverain. Il faut faire attention. Donc, cet accord stipule que l'Église catholique est un État souverain, à part entière. Mais c'est ça. C'est au fait, l'État du Vatican, c'est le plus petit État au monde, État souverain au monde, le plus. Il n'a qu'une superficie de 44 km carrés. Avec ce qu'on appelle la Curie romaine. Dirigé par un évêque qui est comme le premier ministre. Et beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est du droit international que nous devons vous expliquer. Le pape n'est pas président de la République, mais il est chef de l'État. Ah, d'accord. Oui, c'est ça la différence. Il faut que nos amis quittent leur droit, c'est-à-dire interne, vers le droit international pour comprendre le méandre de la question. Ah, d'accord. Et vous devez savoir, quand vous souscrivez, vous faites un accord avec un autre État, vous perdez une partie de votre souveraineté. Exactement, exactement. Tu comprends? Exactement. Dans les droits canoniques, Monsieur Ambongo, le cardinal, a un passeport papal. Ah, d'accord. Tu comprends là où je vous en... C'est diplomatique, diplomatique ou bien c'est la même chose? Non, mais c'est ça, j'ai dit ceci. Non, aujourd'hui, l'Église catholique a une organisation, a sa diplomatie. Leur chef de mission ici diplomatique, c'est l'annonce apostolique. Qui a l'annonciature. Comme à l'ambassade. Ouais. Chez nous, nous appelons les ambassadeurs comme les chefs de mission diplomatique. Exactement. Tu comprends? Or, dans l'organisation catholique, les nonces apostoliques dépendent automatiquement du cardinal. Ah, d'accord. Oui. Malgré qu'il est représentant du pape. Du pape. Il est représentant du Saint-Siège ici. Exactement. Mais il dépend. Dans l'architecture, il les dépend. Donc, je ne vais pas trop vous compliquer sur cette matière. Exactement, on comprend. D'abord, différemment, chaque organisation catholique
par exemple, ici, en France, il y a deux cardinaux. Ouais. Il y a deux cardinaux. Deux cardinaux en France. Mais ici, nous avons un cardinal qui a plusieurs représentations. Ouais. C'est-à-dire, Mbongo a plusieurs États et plusieurs pays qu'il couvre. Ouais, exactement. Ici en Afrique. D'ailleurs, c'est lui le représentant de tous les cardinaux, c'est-à-dire le chef de tous les cardinaux en Afrique. Et il est parmi les six cardinaux influents à l'état du Vatican. Ouais. Il siège. Il peut même être demain le nouveau pape africain, le nouveau pape noir. Les premiers papes noirs. Ouais. Donc il faut faire attention. Il a une grande influence au niveau de l'organisation catholique. Ah d'accord. Et puis est un citoyen du Vatican, de l'État du Vatican. Quand vous dites tout ça, c'est pour insinuer quoi? C'est pour faire réfléchir aux gens quoi? Non mais je voulais. C'est pour que les gens comprennent quoi? Non mais je voulais. C'est pour il y a des gens. C'est une erreur de la part du régime. Non, qui s'attaque au cardinal. Non, il y a des gens. Nous avons une jurisprudence dans ce pays. Que je veux aller sur le plan scientifique vous développer ça. Laquelle? Mais vous devez savoir une chose, que l'État doit s'informer. Et d'ailleurs, je regrette que cette question-là soit mise dans la rue. Au lieu que le gouvernement s'informe, c'est le vice-premier ministre des Affaires étrangères qui devait dire normalement, qui devait informer les PG de la Cour de cassation. Que quoi? Sur leurs engagements. Ah, d'accord. Parce que c'est lui qui devait orienter. Exactement. Et vous allez arriver à un certain moment, mais le PG risque d'être incompétent pour juger le cardinal. Il y a séparation du pouvoir entre l'exécutif et le gouvernement a une injonction du parquet. Exactement. Il donne le... ouais. Nous sommes, l'affaire est encore au niveau du parquet. Exactement. Donc, il a l'obligation des regards. Ouais. Parce que ce sont des clauses que l'État a fait avec un État souverain a fait avec un autre souverain. C'est différent de ce que vous voyez avec les autres églises qui sont implantées ici. Ce sont des Asbel, à l'exception de l'Église catholique qui a changé le statut, qui est dès le début comme un État souverain. Il agit ici en diplomatie, comme un État souverain. Il faut faire attention. C'est comme en France. En France, l'Église catholique a signé un accord cadre avec l'État qui n'est pas le même avec nous. L'accord qui a été signé en 1906 en RDC n'est pas le même accord que la France a signé avec l'Église catholique. Alors, en France. Voilà pourquoi vous avez en France deux cardinaux. Il y a un qui est citoyen d'État de Vatican et il y a un autre qui n'est pas citoyen de l'État de Vatican. Alors on a voulu ignorer. Oui. On prend très vite, nous courons également à derrière. D'ailleurs, je vais aller à un certain moment. Nous avons déjà un cas de jurisprudence pour vite. La gouverne. Pour gouverne, ça c'est, je voulais rappeler au ministre, vice-premier ministre des affaires étrangères, Christophe Lutundula. Quand Mobutu a eu des problèmes avec le cardinal Maloula, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le gouvernement à l'époque, comme il y avait un ministre des Affaires étrangères qui savait, qui était diplomate de formation à cette époque, le gouvernement a siégé même pour expulser le cardinal Maloula. Et on l'a expulsé. Et pour aller où? Pour rentrer chez lui. Au Vatican. Parce que, au Vatican. Parce qu'il était. Il est citoyen du Vatican. Alors, on était dans l'impossibilité. Comme il était citoyen du Vatican, il n'était même pas. On l'a trouvé avec un statut de diplomate. Ah, d'accord. Parce que s'il était un citoyen comme tous les autres, on devait le refouler. Mais comme il était diplomate, il a été expulsé. Et puis par après, vous savez, il est rentré, mais avec les arrangements, il est encore rentré. Donc, au fait, sur ce plan-là, en tout cas, les immunités et les privilèges diplomatiques que
qui sont revêtus. Ah, donc un cardinal a des immunités diplomatiques. Oui. Et des privilèges des juridictions. Des juridictions. Ah, d'accord. Alors, on ne voulait pas. Alors, c'est-à-dire, si vous les ratez de l'autre côté, vous n'allez pas. Vous allez encore les rater de sa citoyenneté du Vatican, de l'État du Vatican. C'est-à-dire, c'est impossible. Donc, vous allez arriver à un certain moment. On va abandonner les dossiers. Ah, et c'est ça qui c'est la machine qui est en train de. C'est une peine perdue. Et c'est comme ça que non. Tu sais aujourd'hui. Tu sais l'ingéniosité de la CENCO. Quand vous voyez les communiqués, il a seulement rappelé la convention Du Vatican. Vatican. C'est-à-dire les saints sièges avec l'État congolais. Ouais. Quand tu regardes encore les communiqués de Monseigneur auxiliaire. Il a encore, c'est-à-dire, il a enseigné presque au gouvernement pour dire de faire attention. Donc en conclusion, ces régimes ne maîtrisent pas les textes. Je ne dis pas. Ne maîtriseraient pas les textes. Non mais j'ai dit ça. C'est là où tu es en train même de dire à un certain moment que non, on pense que non, on peut régler la question du prestige ou de l'honneur de la RDC à travers la remise en cause de la Constitution. Donc, non, c'est faux. C'est l'homme. Le problème qu'on a au pays aujourd'hui, c'est pas les textes. Oh, ce n'est pas les changements des. Non. Mais on vous reprocherait également, vous, sur votre terrain, vous avez modifié certains articles de la Constitution. C'est quoi qu'est-ce qu'on a modifié? Les certains articles intangibles. Les articles. Vous n'avez pas touché aux articles intangibles? Non. Non, nous, écoutez, chers amis, nos amis aussi, je vais te dire la vérité. Vous êtes un garçon intelligent. Et souvent, les gens ne vous comprennent pas. Tu vois, les incompris ont toujours. C'est après leur mort qu'on dit non, mais c'est, non, tout. C'est comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nos amis ont échoué, sont bloqués. Mais vous dites en français. Nous sommes au début du deuxième mandat du second mandat. Comment échouer? Vous dites en français. Quand les prémices sont bonnes, la conclusion, elle est meilleure. Exactement. Je vous donne un exemple. Ouais. Ça fait 5 mois. Vous étiez très critique à l'égard de Judith Souminoua, Toulouse. On va arriver. Je suis encore très critique parce qu'elle vient encore de faire une bourde. Oh! En faisant quoi? Le communiqué qu'il a fait. Il pense qu'à ce moment, il peut agir. Il n'a aucune qualité d'agir. Aucune. Alors, actuellement, Judith ne peut poser aucune question étant que. Elle est d'ailleurs, on l'a encore diminué. Elle est protocolaire et puis on l'a diminué. Et il vient de cogner quelque chose qui peut, si on était dans un état normal. Elle devait partir, elle ne devait même pas être investie. Avec ce qu'il vient de faire au travers les communiqués qu'il a fait pour Goma, pour Mugunga. Je vais vous dire, je suis très regardant. D'après les Sciences Po, est-ce actuellement elle est première ministre ou non? C'est vrai qu'elle n'est pas encore investie. La nomination, mais là, du moins, il y a une ordonnance, non? C'est quoi? Un présidentiel. Cette ordonnance ne lui donne aucune importance d'agir. C'est une ordonnance qui peut être cassée demain par le Parlement. Si le Parlement n'autorise pas son programme, le programme du gouvernement, on va trouver encore, on va nommer notre Premier ministre. Exactement. Nulle part. Tu sais pourquoi il n'agit pas, il ne devait pas agir. C'est parce que lisez l'article 90. Ouais. Lisez aussi l'article 91 de la Constitution. Elle est là comme une première ministre, même pas protocolaire. Elle est une première ministre amorphe. Elle doit rester là-bas en attendant. Et d'ailleurs, Mbosso commence même à monter les enchères. Ouais, j'aurais appris qu'il pourrait. Postuler étant que. Non, mais c'est les malheurs. Les malheurs, c'est quoi? Mbosso a dit, les députés encore sont encore, il faut attendre. Les bureaux des députés sont en train de battre campagne de l'élection des gouverneurs, des sénateurs. Mais c'est déjà la fin, on a déjà. Mais j'ai dit ceci, il a monté les enchères.
Il y a un problème. Il doit comprendre qu'il y a un problème. Qu'il y a un problème. Quand je vous dis aujourd'hui, regarde les pays. La configuration du pays. Oui. Nous avons un problème. D'abord, il y a quatre institutions de la République. N'est-ce pas? Oui. Le président de la République, le Parlement, les gouvernements et les cours et les tribunaux. Si vous allez en profondeur avec les analyses, tous ont des problèmes. Comment? Ce sont des institutions de fait. Oh. Oui. En commençant par les présidents. Le président de la République. Des institutions de fait comment? Comment le président de la République. Le président de la République. Aujourd'hui, l'élection chaotique, braquage que nous disons, constitue un frein. On dit que c'est un débat déjà révolu. Mais vous vous dites, mais nous avons un problème de légitimité sur cette question du président jusqu'à présent. Et plus, outre les problèmes de légitimation ou de légitimité, il y a un problème de légitimation. Vous avez vu l'arrivée, le retour du président hier sur le boulevard. Il y a même une maman qui a été giflée. Oh, pourquoi? Et c'était très froid. C'était très froid. Il faut observer sur le boulevard. La population aurait vomi ces régimes. Mais j'ai dit, ça c'est un. Deux, au niveau du Parlement, l'institution, le Parlement. Là même, il y a un blocage, il n'y a pas juste. Il n'y a ni Assemblée, la constitution du bureau de l'Assemblée nationale, ni le Sénat. On est d'accord? Ouais. On y va. La troisième institution. Le gouvernement. Le gouvernement. Il n'y a pas. Il n'y a rien. Il n'y en a pas. Tous les ministres et les premiers sont en train d'assurer. On retrouve là où il y a même du désordre. En quelque sorte, il y a deux premiers ministres qui touchent au trésor public. On parlera que. Oui, j'ai dit. Madame Judith sera en train de ne toucher que des dotations. J'ai dit, c'est l'argent de l'État. De l'État. Deux, sur base de quoi il touche les dotations? C'est sur base de quoi? Il n'y a pas un acte juridique. C'est sur base de quoi? Il y a une ordonnance. C'est quoi l'ordonnance? Ne définit pas. Attendez, l'ordonnance ne définit pas. Ne définit pas qu'un premier ministre nommé peut avoir l'argent. Ne définit pas. Aux hommes, tu comprends? Donc, il y a ça. Outre, là où au gouvernement, nous avons même les membres du gouvernement qui sont ministres et députés. Dont la Cour constitutionnelle a refusé. Mais le président impose, ne veut pas prendre acte et il impose. C'est l'irrégularité. Mesure exceptionnelle. C'est quoi ça? C'est ce qu'est le soubassement de ces mesures. Il y a urgence, le pays est en danger. J'ai dit, c'est quoi? Il y a urgence. À l'IDPS, on doit nous dire, s'il y a des juristes, des bons juristes, des bons politologues, l'IDPS doit nous dire, il trouve cette formule dans quel prescrit. Voilà, tu vois, quand je dis que non à l'IDPS, il y a des cadres moyens. J'ai raison, oui. À l'UDPS, il y a des cadres moyens. Beaucoup de cadres moyens. Nalinga la tobinga monine. Quand vous dites qu'à l'UDPS, il y a des cadres moyens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des cadres assez. Mais toi-même, allez-y, définir la lingala. Non, les Congolais. Le lingala est pauvre. À l'UDPS, il y a des cadres moyens. En commençant par Augustin. J'ai dit ceci, il y a des cadres, je suis en train de le dire, il y a des cadres moyens. Donc, Augustin, donc, à vous, moyens. La polémique. Vous appartient. Kabouya, c'est un cadre moyen. Je vous dis, la polémique vous appartient. On y va. Tu vois, nous sommes là, nous rentrons à la quatrième institution, cours et tribunaux. Nous avons des juges constitutionnels qui sont hors mandat. Ouais, j'aurais appris ça au niveau de la cour. Non, mais je veux pas. Mais maintenant, leurs actes qui sont en train de prendre aujourd'hui sont des actes illégitimes, irréguliers. Voilà comment comment est configurée la République pour le moment. Donc, des institutions. J'ai dit ceci. Mais comment je viens? Mais alors, tu dis aujourd'hui que non, vous allez changer. C'est un problème d'homme, ce n'est pas un problème de texte. Mais pourquoi vous ne voulez pas? Il ne sera pas un dictateur, ne faites pas de lui un dictateur. Les présidents ne sont que des interprétations. Gramic, des gens... Je suis en train de faire une émission avec toi. Ouais. J'aime bien les présidents et j'aime bien les suivre. Ouais. J'aime bien les suivre. Je prends les soins de faire analyse de chaque mot. Et je crois que non, le président aussi ne fait pas la même chose que moi. Ils doivent commencer à un certain moment à faire l'introspection de tout ce qu'il dit. Prends un certain moment. Est-ce que tout ce que moi j'ai dit, j'ai réalisé? Et là, la réflexion va commencer. Parce que c'est ça.
Le président, parfois, il s'est trahi lui-même. Ne réaliserait pas ce qu'il dit, ce qu'il promet. Quand le président dit en Europe que non, la justice internationale est des poids, des mesures. Ouais. Il fait ça. Quand le président dit que non, mais il faut changer la constitution. Dans un autre, il dit non, mais il ne faut pas me prendre comme un dictateur. Mais il dit que non, ben, la faute que nous sommes de la sortie, c'est les problèmes de la Constitution. La Constitution ne règle pas ces problèmes. Non, ce n'est pas. C'est lui, les gens qui sont avec lui, qui ne se conforment pas à la Constitution. C'est pas lui. Donc, la Constitution a réglé ces problèmes-là, mais les gens... Mais le problème, c'est quoi? L'article 69 est clair, qui demande au président, de veiller, là, en linéa 2, de veiller... Oui? D'assurer l'arbitrage. Non, de veiller au respect de la Constitution. L'article 69, alinéa 3, qui parle de... qui régule le bon fonctionnement harmonieux des institutions. Mais 69.2, alinéa 2, parle, il doit respecter, faire veiller au respect de la Constitution. Est-ce qu'il le fait? Quand il dit qu'il ne veut pas prendre acte de la démission. J'avais appris que Liaou avait démissionné. J'avais appris que... Ouais, plusieurs ont démissionné, mais le président avait dit, selon mais la présidence, il était... nous sommes dans un état actuellement, la situation est critique, on non, peut pas nous ne sommes pas gérés par la présidence, monsieur. La présidence, c'est quoi? Mais c'est le président, non? Mais qui sur le plan, dans le cadre du protocole d'État, il vient où? Il est situé où dans l'organigramme de ce pays? C'est une structure qui n'apparaît pas. Exactement. La présidence, il ne peut pas gérer le pays par des communiqués. Vous avez déjà vu, c'est un service public attaché au président, le président. Mais c'est le cabinet. Monsieur Tshilombo est une institution, lui seul. Ouais. On ne parle pas, ce n'est pas le directeur des cabinets du président de la République, n'est pas chef hiérarchique de personne dans ce pays. Dans ce pays, même si vous le placez dans les rangs. Mais il... Il est où? Il parlait au nom du chef. Il parlait où au nom du chef, savait que dit quoi? Et madame Tina Salama, il parle au nom de qui? Alors, on ne voulut. Est-ce que le directeur du cabinet, c'est le porte-parole d'un chef? On ne voulut India. Donc, mais écoutez, écoutez, vous vous trompez à la cité. Vous avez eu la chance aujourd'hui d'avoir en face de vous un politologue. Outre politologue, il est politiste aussi. C'est-à-dire, un politiste a un regard sur le fonctionnement de l'État, outre, et c'est même des institutions aussi. Il a même l'historique. Comment l'État fonctionne. C'est ça. C'est la différence entre un politiste a un regard plus qu'un juriste. Et surtout, les gens qui ont fait les droits privés et judiciaires. Donc, il faut. Lui-là, il décrit un fait. Et il explique. Alors, on prend très vite la situation des Mugunga, parce que c'est ça même les plus grands sujets aujourd'hui en République du Congo. Une dizaine de morts. Chaque heure, chaque seconde, le peuple congolais meurt. Indiomari, c'est vrai que vous aviez mis fin au M23, mais la situation restait du moins un peu tendue dans l'est du pays. Mais quand vous constatez actuellement... C'est la faute de qui? Plusieurs rencontres. C'est la faute de qui? Juste après la rencontre avec les présidents français, il y a bombardement au niveau d'un camp des déplacés. Vous savez, c'est une question éminemment diplomatique. Notre pays doit rentrer en arrière. Oui, je dis, c'est une question... La diplomatie du président Tshisekedi n'agirait pas. Non, il y a une fébrilité au niveau du... Tu peux comprendre que non, le président cherchait une sanction de l'air. De Rwanda. Ouais. Au travers de la France, qui est champion du monde en cette matière. Aujourd'hui, c'est la France qui... Vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Ouais. La France est comme une locomotive qui embarque. Exactement. Vous avez des relations, vous dites vous avez des relations avec Macron. Les États-Unis, tu as vu les derniers développements. Les États-Unis viennent de faire un communiqué pour condamner les Rwandais. Mais l'Union européenne, dont la France est la locomotive, ne condamne pas les Rwandais.
sur cette affaire des massacres de Mugunga. Je vais commencer par d'abord condamner. Moi, pour moi, je présente mes condoléances à toutes les familles des victimes de ces catastrophes que j'appelle pratiquement crimes contre l'humanité dans les droits internationaux humanitaires. On ne peut pas toucher à un camp des déplacés, surtout ça. Pas seulement des déplacés, un camp aussi des réfugiés. Dans les droits internationaux humanitaires, c'est un crime qu'on vient de faire. Exactement. Et moi, si j'étais membre du gouvernement, je devais proposer au président de la République de faire deux choses. Trois même. Comme il est rentré, il devait rentrer rapidement. Oui. Le même vendredi, il veut couper. Il a fait, il non, c'est, non, non, voyage. Non, c'était. Faut pas parler de il avait déjà terminé ça. Oh, le président n'avait pas, n'a pas interrompu. Il a. Mais le président s'est retrouvé en Belgique déjà. Comment? Parce qu'il n'était pas prévu qu'il soit en Belgique. Il s'est retrouvé en Belgique comment? Il devrait échanger avec c'est quoi? Quelle est l'opportunité d'échanger avec la diaspora au moment où dans vos pays il y a des atrocités? Est-ce que c'était une opportunité? Parce que le président de la République s'est retrouvé vendredi, le jour des massacres en Belgique. Exactement. N'est-ce pas? Exactement. Ouais. Où il échange avec la diaspora. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est échangé avec la diaspora quand on avait aussi besoin que. D'avoir une compréhension directe, même dans cette salle du président qui parle de ces massacres. D'informer la diaspora et de même d'appeler la presse pour parler de ces massacres. Montrer sa compassion et même donner les injonctions pour que les blessés là soient pris en charge par le gouvernement, n'est-ce pas? Oui, ça a été fait. Mais jusqu'à présent. Non, moi, cher ami, écoutez, ne fais pas le journalisme de fanatisme. Voilà pourquoi vous êtes en train de me dire que non, je suis dur. Je dis la vérité. Parce que je suis un patriote. Vous pouvez tout dire. Je l'ai dit, c'était une faute grave. Le président est passé sur les médias qu'on appelle LCI. LCI. C'était samedi. Ouais. Mais rien n'a été entendu par rapport à ce qui se passe à Goma. C'était une occasion de faire passer les messages forts. On attendait. Mais on a entendu des trucs du genre Bandal. Oui, les journalistes nous ont amené dans les choses qui n'étaient pas propices. Au moment où nous sommes pendant un moment de guerre, nous sommes pendant un moment où il y a des atrocités. Il y a un discours que nous devons tenir pour montrer à la communauté internationale ce qui se passe chez nous. C'était avec rigueur. Mais le président a voulu... une opportunité de faire passer le message. Le président a dit même des choses que le Rwanda est un épouvantail, est plus qu'un épouvantail pour la RDC que Wagner. Ça ne venait pas de moi. Vous savez, en français, vous qui parlez français, nous avons fait les sciences politiques, nous n'avons pas fait les journalismes, ni les lettres, ni les lettres, ni les droits. Vous comprenez? Un épouvantail, c'est un fantôme, c'est quelqu'un qui a peur. Donc, écoutez, les Rwandais nous agressent, c'est un agresseur, mais nous n'avons pas peur de lui. Les Congolais peuvent l'affronter et gagner cette guerre si nous sommes unis. C'est ici où je demande au président de la République la chose. Dès qu'il doit terminer, la première des choses, c'est de convoquer le Conseil supérieur de la défense. C'est-à-dire En urgence. Et le Conseil, dans ses décisions, on peut envoyer les enquêteurs là-bas pour avoir les topos sur ce qui s'est passé. Oui, parce que jusqu'à présent... Attendez. Il y a une ambiguïté sur les auteurs même. Non, mais c'est d'abord ça. On devait commencer par ça. Deux, la prise en charge de tout ce qui se passe, tous les blessés. Ouais. Oui. Et même les familles de ceux qui sont... Il faut que le gouvernement montre sa compassion. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il faut que le président de la République entreprend une initiative de contacter l'ensemble de notre classe politique, c'est-à-dire il contacte
l'opposition, la résistance. Écoutez, nous sommes pendant. Vous avez vu Macron, quand il est dans une crise, il fait quoi? Il appelle Marine Le Pen, il appelle Mélenchon. Est-ce que le PPRD sera d'accord? J'ai dit, ce n'est pas un problème. C'est quand il y a un appel du président. J'ai dit, c'est un problème d'initiative. Ah, d'accord. C'est la, l'initiative doit l'appartenir. C'est une question du pays. Il doit impliquer tout, même l'Église catholique. Il implique tous ces gens-là, il les contacte et il prend une décision d'autorité à ce moment-là. Voilà comment les choses. Aujourd'hui, ce n'est pas aller crier, aller chercher, pleurnicher en France. Ici, aujourd'hui, c'est un problème. Nous n'allons pas sortir, nous n'allons pas sortir de ces boubliers si on ne prend pas les grandes mesures. Ça n'a rien à voir avec l'opposition, la majorité. C'est un problème du pays. Et nous devons savoir, il faut que, dès que le président va faire ça, il va venir dans l'opportunité de nous dire, regarde ce qui s'est passé. Ah, d'accord. Pourquoi? Parce que, au-dessus de nous, nous sommes couverts par une parapluie. Il y a des satellites qui nous regardent. Ah, d'accord. Qui doit dire qui a fait ça, qui doit démontrer. Ouais, exactement. Monsieur, c'est pas un problème où vous voyez, c'est un problème. Et là, quand il a tous ces éléments, tout ce qu'on appelle les renseignements, il peut intéresser la communauté internationale. Même dans une enquête. Mais Indio Marie, les gouvernements, ou soit selon les partis au pouvoir, ouais, penseraient que je ne parlerai pas du gouvernement, les partis au pouvoir penseraient que vous serez derrière ces gens-là qui causent des atrocités. Mais c'est ça, les PPRD seraient derrière. Les débits de l'échec de nos amis, c'est ça, c'est de la haine. C'est de la haine. Le président, rappelle-toi. On les a, dans cette histoire de Saint-Sylvestre, on les avait impliqués tous. Ouais. Pour arriver à une solution. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas un problème de partage, c'est un problème du pays. Le pays est en train d'être morcelé, d'être divisé. On est en train de voir. Quand vous voyez les réfugiés quittent Londres britannique, quittent Londres vers les Rwandais. Le Rwanda. Et vous avez oublié, vous avez oublié aujourd'hui que David Cameron, qui est devenu ministre des Affaires étrangères actuellement, il était ancien premier ministre, est devenu aujourd'hui nommé par le gouvernement Rishi Sunak. Oui, comme ministre des Affaires étrangères. Premier ministre anglais. Ah oui. Est nommé aujourd'hui. Fut conseiller du président Kagame. Mais il est aujourd'hui nommé ministre des Affaires étrangères. Tu comprends? Est-ce qu'il va jouer à notre faveur? Et lui, aujourd'hui, lui, Sarkozy qui défend toujours que nous devons partager la richesse avec il y avait un autre qui s'appelle Guterres, ancien premier ministre qui est aujourd'hui secrétaire général, ancien premier ministre du Portugal, qui défendait le Rwanda et qui défend aujourd'hui, ce sont les pro-rwandais. Vous voyez que non, même si aujourd'hui, il y a les lobbyistes de l'IDPS qui circulent tout autour. Vous pensez que ces gens-là vont... Mais au lieu de venir intéresser la communauté nationale pour faire front commun, afin d'aller vers et financer notre armée pour arriver à tout ça, à taire cette histoire, ce que j'appelle la bourde, parce que c'est une bourde. On laisse passer une bourde. Aujourd'hui, c'est cette initiative de dialoguer, de récupérer tout le monde. Ça s'appelle l'opportunité du danger en stratégie. Ah, l'opportunité du danger. Du danger. Nous, stratégie, nous disons... Il y a danger, ça profite pour que vous puissiez rassembler tout le monde. Mais vous pouvez devenir un grand. Alors, stratégie, nous disons ceci. Il faut se saisir de l'opportunité des dangers et d'éviter que les dangers de l'opportunité vous saisissent. Alors, on finit très vite, nous sommes vraiment. Et là, Clausewitz, un grand doctrinaire dans les courants doctrinaux des relations internationales, des théories des relations internationales, il vous dit ceci, que la guerre est le commencement de la politique par d'autres moyens ou d'autres finalités. Alors, on finit, il y a très... Mais pendant la guerre,
On peut faire la politique, on peut faire la diplomatie. D'ailleurs, Kissinger, Henry Kissinger. Et Kissinger. L'ancien secrétaire d'État américain avait même dit, il avait même inventé la diplomatie secrète. C'est pour permettre aujourd'hui, nous sommes, il y a une opportunité terrible de rassembler les Congolais. Mais pourquoi le président de la République ne saisit pas cette opportunité? Alors, India, on finit très vite. Il y a également un sujet d'actualité qui fait des tabac pratiquement. Cette histoire des lampadaires de forage. Je ne vous ai pas encore entendu se prononcer là-dessus. Vous pourriez dire quoi? Je ne me prononce pas. C'est comme... C'est de la... lumière d'opinion. Non, c'est de la... L'argent vous aimez trop les sensationnels. Vous aimez trop les sensationnels. Cette affaire des gouverneurs. Tu as vu la vidéo là du gouverneur de Kassai, là, tout ça, qui demande l'argent. On ne fera rien. Je vous dis ceci. Maman Rose Mutombo avait été instruite par le président, vous savez ça, ou à l'OIA. De faire quoi? De lutter contre cette affaire des députés francs-maison. Ouais. La corruption de l'élection de gouverneur des sénateurs. La suite, rien. Kabuya a dit ouvertement qu'il a donné les dons à ses siens, à ses députés, c'est ce qu'il a dit. Mais le procureur général n'a jamais fait une réquisition d'information. Et puis il défie même, il dit qu'il te récupère par Djib Nambissou. C'est-à-dire il défie la justice. Il donne les injonctions. C'est lui qui donne les injonctions. La Guissaye, corruption, ça va plus. Ouais. Mais tu regardes avec cette arrogance. Tu regardes, ministre. Bozoku Feleka Pamba, bah ça les pays de côté. Oh, on va rien faire à Nicolas. C'est leur manière de voir les choses. On va faire quoi? Bozoku Fapam, Banda Bobanda Giao. Tissiko, Bozo ça la paye. Merci beaucoup, India. Hein? Donc, je dis ceci. Je connais que Lampadel et Logoana, ils ont 250. Ils sont ok, bien, ils ont 250. Ils ont 50, 30. Il y a bien lampadaire. Il y a bien. En poule, on a. Sauf que pour toi, on a au Maroc, c'est à 400 dollars. 400 dollars. C'est-à-dire, il faut faire la démo. C'est moins de 1 million. C'est moins de 700. C'est moins de 700 dollars. Oui. Bon, disons que c'est 1500. C'est 1500. Mettons ça, gonflons, avec douane et tout ça. Et dans ce projet, c'est 5000. Mettons. Mais quand vous êtes en train de parler. Qui a mis Nicolas dans l'équipe du président de la République? C'est ça. C'est le président lui-même. Oh, c'est le président lui-même qui quand, avait. Quand le président veut se déplacer dans une mission, ce n'est pas les protocoles. Une mission. Il demande selon l'importance de ses collaborateurs. Ce n'est pas les protocoles qui. Qui a quel droit? Un président de la République veut se déplacer. C'est le protocole qui va choisir les gens, qui va choisir un membre du gouvernement. Avec les... Là, c'est la bonne question. Qui a placé Nicolas dans cette équipe qui devrait... C'est le président lui-même qui choisit. Regardez, dans une mission officielle. Il y a une différence en relations internationales, mission officielle, où on peut visite officielle, ou en d'autres termes, on peut appeler visite privée. Visite officielle peut être appelée encore visite d'État. Visite d'État, oui, exactement. Oui. Nicolas Kazadi était prévu dans un voyage qu'on appelle les voyages d'État. Et c'est lui qui choisit ses collaborateurs pour. C'est le seul président de la République. Mais si le président de la République, qui est magistrat suprême, il est magistrat suprême, là vous ne comprenez pas. C'est-à-dire, les dossiers, avant qu'on débarque, les messieurs. Il était au courant de ces dossiers. Il devait être au courant à travers son chef donc de la sécurité interne. Au courant, mais il a placé, du moins, il a mis les noms de Nicolas sur la liste. Nous sommes en train de réfléchir. Donc, c'est le président qui protégerait Nicolas. Mais j'ai dit ceci. Quand un ministre veut voyager, qui choisit ses collaborateurs qui vont aller avec? C'est lui-même le ministre. Alors, mais pourquoi vous voulez épargner un président de la République? Merci beaucoup. Pourquoi vous voulez l'épargner? Vous voulez le disculper dans cette affaire. Donc le président ne peut pas être disculpé dans cette histoire. Ah, c'est pauvre. Peut-être que vous ne voulez pas la vérité. Oh, la vérité vous pensez que non, le président peut accepter à n'importe qui pour des raisons de sécurité de monter dans son avion.
Et surtout, qu'est-ce qui a été l'avion du président? Ah! Alors, on finit avec... Donc, écoutez, attention, avec cette ambiguïté, ça peut être une ambiguïté stratégique. Ouais. Ah, tu commences... Donc, c'est-à-dire que non, cette affaire ici, Gramic, il ne faut même pas. Je vous exemple. Okay. Ouais. Tout ce monde-là, ils font des bruits ici. Nos amis ici sont déjà bloqués. Je vous ai dit au début que non, ils ne feront rien. Ils ont déjà échoué. India. Les restes ici, c'est les bruits. Ils gèrent le pays par des communiqués, par des bruits, merci beaucoup, par India. Des sensationnels. Ils vont en créer beaucoup. On finit très vite. Qu'est-ce que vous pourriez dire à tous les kabilistes qui vous suivent? Kabila est où? Kabila n'est pas. Kabila est concentré. Il est dans les. Sa thèse. Il est concentré dans sa thèse. Il y a un bruit qui est passé là par. D'ailleurs, quand Tendé a utilisé les sensationnels, il paraît que Kabila est déjà rentré. Donc, écoutez, le problème que nous avons avec nos téléphones ici, c'est que tout le monde à travers les téléphones veut se faire journaliste. Exactement. Moi, c'est ça le problème. C'est-à-dire, India aujourd'hui veut se faire, pas seulement ça intéresse. India aujourd'hui veut devenir Gramic. C'est-à-dire, il veut faire la course avec Gramic. Pour faire passer les informations les premières. Or, nous n'avons pas. Nous sommes nourris par les journalistes. Ouais. Dès que nous avons l'information... Vous commentez. Pas commenter. Vous on analysez. Réfléchit, on analyse. Merci c'est beaucoup, le travail. On devait, chacun devait faire sa part. Merci beaucoup, India. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci d'être venu. C'est toujours un bonheur. Je pense que vous avez dit beaucoup de choses en si peu de temps. On retient que l'UDPS a des cadres moyens. Là, c'est ce qu'on pourrait retenir. Merci, Indio Marie, du PPRD. Merci à vous tous. Retrouvez-nous prochainement. Je suis Gramic Legon. Quel est Dieu de toutes les inspirations conçues de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.